Bonjour tout le monde, c'est moi, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo unboxing puisqu'aujourd'hui nous sommes le lundi 6 novembre et c'est mon anniversaire et comme j'ai des copines très gentilles, et ben j'ai reçu 3 petits colis à ouvrir avec vous. Alors je suis en mode détendu, hein, voilà, hein, je suis restée à la maison aujourd'hui, j'ai pris un RTT. Allez, j'ouvre le premier colis, il vient de Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna. Et ça fait une semaine qu'il attend d'être ouvert. Super, les colis Amazon. La tirette, c'est une galère pas possible. Elle est complètement pétée, voilà. Oh, j'ai des morceaux de carton partout. Alors, est-ce que vous voyez? Bah non, vous voyez pas, c'est comme moi. Qu'est-ce qu'elle m'a pris? Pardon. Il est trop beau. Ah, c'est trop cool. Est-ce que j'ai un petit mot? Bonjour Maud, je te souhaite un joyeux anniversaire en avant. J'espère que ce livre va être aussi un beau coup de cœur. Bonne lecture, gros bisous. De la part de Marie, Mademoiselle Athéna. Ouais. Il est trop beau. Voilà. Grisha. De Leigh Bardugo, bien sûr, j'ai eu 2 coups de cœur pour Six of Crows, le tome 1 et Six of Crows, le tome 2. Et en fait, la trilogie Grisha, je l'ai. Elle est là, mais en VO. Et je ne l'ai pas attaquée. Mais regardez-moi cette couverture. Bon, le bandeau... non, mais... Waouh. Oh, il est trop beau. Merci Marie. Oh, c'est trop chouette. Il est tout petit par contre, j'ai l'habitude des briquettes de Six of Crows. Je suis trop contente. Merci Marie. Alors rien que ça, ça fait ma journée. Ça fait une semaine que je l'ai dans... chez moi quoi. Alors, après, bah je sais pas. On va commencer par celui-là. J'ai pas encore réussi. Faut qu'ils refassent un petit peu leur emballage, non? Est-ce que vous voyez? Ah, vous voyez. Moi, je vois pas, mais vous voyez. Oh mmh. Ça, c'est Elodie. Je veux pas dire de bêtises, hein. Oh, non. Elodie, c'est ça. Joyeux anniversaire, mais surtout, bonne lecture. Donc Elodie de la chaîne Elliot des livres, voilà, ça c'était obligé. Ah, c'est trop bien. Depuis que je l'ai vu sur sa chaîne, celui-là me fait très très envie. Elle a lu le premier tome, je crois qu'elle s'est ruée sur le deuxième tome. Oh mais c'est trop gentil, vraiment. C'est génial. Oh mais... je suis refaite. Oh mais c'est trop cool. Donc c'est Magie Ex Libris, le premier tome, le bibliomancien de Jim C. Heinz aux éditions La Talente. Si je ne me trompe pas, c'est l'heure des Imaginales, je crois. Elles ont assisté à une conférence avec ce gars, cet auteur, et en fait tout le monde s'est rué à la fin de la conférence pour acheter son livre. Et ça a l'air génial, vraiment. Trop bien, merci Elodie, c'est trop cool, merci beaucoup. Bon, et donc le troisième, je vais pas y arriver à un seul quoi. Le troisième il est épais, ça m'a l'air d'être du poche, non vous voyez pas. Ça a l'air d'être du poche, une grosse briquette. Attendez, si je peux sortir. Joyeux anniversaire, j'avoue que celui-là me fait très envie, j'espère qu'il te plaira. Bisous, bisous, je sais plus lire quoi. Bisous Stéphanie. Donc c'est Stéphanie de la chaîne Pikidi Bookin. Eh mais je suis... merci les filles. Ah trop bien. Ah oui, celui-là ça fait un moment que je voulais lire, mais oh, c'est une brique. Et il s'agit du livre Perdu des sortilèges de Deborah Harkness, voilà, au livre de poche. Combien il fait de pages? 830 pages.
Bon, bah écoutez, super. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Stéphanie. Regardez-moi ça. J'ai été trop gâtée. Merci, vous êtes des amours. Franchement, c'est trop gentil. Je sais que j'ai un colis qui doit m'arriver demain de la part de Manon. Donc, vibration littéraire. Je pense que je vous collerai mon unboxing après celui-là. Mais merci beaucoup. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et coucou, ça fait une seconde que je vous ai quitté là dans la vidéo précédente. Et en fait, moi, ça fait 2 jours, hein. Et en fait, j'ai eu un gros souci parce que le lendemain de ce que vous venez de voir, j'ai reçu 2 colis. Alors, je me suis installée devant mon appareil photo pour vous filmer mes 2 unboxings qui restaient. J'avais même branché ma softbox, enfin bon, l'installation de merde, quoi. Et là, je viens de monter mon unboxing et je m'aperçois qu'en fait, je n'ai pas de son sur la deuxième partie. Je suis dégoûtée parce que je crois que vous imaginez même pas le temps que ça m'a pris de tout installer, la softbox, les... tout. Et en fait, voilà. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai ce grésillement dégueulasse et j'ai pas de son du tout. Donc je suis désolée Manon, je suis désolée Marion, vous pourrez pas voir mes réactions en direct. Mais j'étais trop contente. Vous pouvez même pas imaginer. Alors, je vais vous montrer quand même ce que Marion m'a acheté, qu'elle m'a ramené d'Écosse. C'est juste splendide. Regardez-moi ce livre. J'ai... Waouh! Waouh! Donc c'est The Language of Thorns de Leigh Bardugo. Signé de sa main. Oui, à l'intérieur, il y a un autographe. Et je crois que ce sont des sortes de petites nouvelles, je crois. Une collection de 6 nouvelles illustrées parlant de... je trouve plus mes mots. De trahison, de romance et de revanche. Donc voilà, c'est dans l'univers de Grisha. Le livre est splendide, vraiment. Il est magnifique. Je vous le détaillais en long, en large et en travers. Je vous montrais des illustrations aussi dans l'unboxing. Mais voilà, c'est tout planté. Donc je vous le montrerai en boucle un peu plus précisément. Je le feuilleterai avec vous. Ok? Et le deuxième colis que j'ai reçu, il vient de Manon, de Vibration Littéraire. Donc là, je ne vous l'ai pas rappelé, mais ça, c'est Marion, d'Entre les Lignes. Et voilà, et celui que j'ai reçu de Manon, sincèrement, je l'espérais. Je l'espérais parce qu'elle n'a pas eu énormément de coups de foudre littéraire, mais celui-là en fait partie. Et inconsciemment, je me disais, j'aimerais bien qu'elle me l'offre. Surtout qu'elle avait fait un concours et je n'avais pas gagné son concours pour l'avoir. C'est lui! C'est Heartless de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Ce livre est magnifique. Et puis, il va être trop beau avec mes chroniques lunaires. C'est purement futile, mais il est trop beau. Donc merci, merci, merci Manon. C'est trop gentil. En règle générale, vous êtes trop gentil. J'ai reçu 5 livres pour mon anniversaire de personnes que je connais par BookTube, que je n'ai jamais rencontrées en vrai, à part Marion, hein, parce que Marion est lyonnaise aussi. Donc vous êtes adorable et je suis dégoûtée que ma vidéo n'ait pas marché. Voilà, c'est dit. Tant pis, hein. Écoutez, vous aurez au moins ça, vous aurez vu au moins mes réceptions. J'avais reçu aussi une petite enveloppe de Marie, Mademoiselle Athéna, qui m'avait déjà offert Grisha. Elle m'a envoyé une petite enveloppe. Là, je suis désolée, je ne peux pas vous la montrer parce que je l'ai rangée au final. Où dedans, j'avais donc une petite carte, un joli marque-page. Et 2 extraits, un extrait de roman de Shades of Magic qui m'a fait largement penser qu'il fallait que je le sorte quand même de ma palle parce que je l'avais quand même dans ma palle. Et le deuxième, c'était sur la BD Rose, je sais plus. Donc voilà,
Je suis désolée, je suis en mode vlog, c'est dégueulasse, c'est déprimant, mais j'ai pas le choix. Voilà, je voulais quand même vous donner une suite à cette vidéo que vous avez vue à mon unboxing. Donc c'est pas vraiment un unboxing pour ça, mais j'ai eu la surprise de recevoir encore deux livres magnifiques. Et merci, 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 merci les copines. Et voilà, à charge de revanche pour votre anniversaire. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ce soit l'unboxing ou le mini-vlog pourri à la fin. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.